Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe à une vidéo, donc une quatrième vidéo de cette petite série que j'ai appelée modéliser dans mes pas avec Blender. Donc on a vu récemment comment transformer des objets en utilisant les objets de base de Blender. On va donc cette fois-ci voir les outils de découpe. Bon, ça aussi ce sont des outils qui sont très importants puisque vous allez forcément être obligé de faire des découpes dans des objets. En tous les cas, obligé peut-être pas, mais bon, ça risque de vous arriver très souvent. Ce sont des outils qui sont importants parce qu'ils servent souvent. Et donc, on va les détailler. Donc, avec cette vidéo, donc sur Blender 4.1, je fais un clic gauche ici. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer un petit test pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, c'est-à-dire la numéro 3, puisque celle-là, c'est la 4, de transformer un cercle en cube. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait, hein. Je vais vous ajouter un cercle, là, c'est un petit test hein, pour histoire de vous amuser, et le jeu ça va être de transformer ce cercle en cube de la manière évidemment la plus rapide possible et la plus simple possible. Alors je vais vous faire cette démonstration, je passe en mode edit, tab, je me mets en vue de dessus, donc voilà, je désélectionne tout, un clic droit, C, je sélectionne ici cette, la moitié ici, puis hop là, CTRL Z, la moitié, G, X, puis je me mets en mode arrête, en cliquant sur le 2 au-dessus de Azerty, je sélectionne tout A, puis C, je désélectionne les arêtes qui sont au milieu ici, je passe ici dans le mode individuel, là, et je vais faire un S, X, 0. Vous voyez que là, j'ai donc déjà à créer une forme carrée. Voilà, A, je sélectionne tout, S, X pour venir en faire un carré à peu près plus correct, F, je ferme, vue 1, extrude, donc, vue 1, donc en cliquant sur le 1, hein, bien sûr, de mon pavé numérique, et voilà, j'ai mon cube. Donc là, on voit qu'il y a des arêtes qui sont inutiles, je sélectionne tout, je vais faire X, dissoudre, les arêtes, voilà, dissolution limitée, et j'ai mon cube. Donc voilà, je vais me servir de ce cube, donc, pour faire la démonstration de la découpe au couteau. Je vais commencer par le premier outil qui est le plus simple, c'est le couteau. Alors le couteau, si vous voulez traverser votre cube, il va falloir l'utiliser à partir de cette fenêtre-là. Si vous voulez seulement faire une découpe en façade, vous allez utiliser la lettre K, et vous allez un clic gauche, faire un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche, vous déplacez, et vous finissez par revenir sur le vertice que vous avez créé au départ, et vous faites un clic gauche et barre d'espace. Voilà. Donc là, à partir de là, vous avez créé une découpe, mais elle n'a pas traversé. Et je n'ai pas les éléments ici pour pouvoir traverser. Ce que je vais faire, si je veux traverser ce cube en créant une forme, CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais utiliser ici le couteau à partir de cette fenêtre-là. Donc j'appuie en continu ici sur cette icône. Je déplace mon curseur toujours en appuyant et j'ai le couteau. Et là, regardez, je vais faire la même chose, une découpe. Là, un clic gauche et regardez ici, j'aurais eu la possibilité tout de suite de sélectionner. Alors là, je ne l'ai pas fait, donc là, ça n'a pas traversé, mais je vais revenir en arrière, vous allez voir. Je me remets en vue 1, je resélectionne le couteau à partir d'ici. Et là, vous voyez que j'ai ici X-ray uniquement, enfin le rayon X qui est sélectionné. Et si je fais une découpe au couteau, barre d'espace, eh bien ça se découpait de l'autre côté aussi. Voilà. Donc je vais recommencer pour que vous puissiez bien comprendre ce qui aurait eu du mal. Si je sélectionne mon couteau avec la lettre K, je n'ai pas la possibilité de traverser des objets. Ah bah là si elle est venue, tiens. Ah bah là ça là, non, ça n'a pas marché. C'est bien ce que je disais, donc Shift-I, je reviens en arrière. Ici, je vais désélectionner, resélectionner le couteau, voilà. Je sélectionne X, puis je fais ma découpe. Là, et si tout se passe bien, vous voyez, la découpe est faite. Je peux sélectionner le mode face, sélectionner ces faces-là. Là. Donc je vais revenir sortir du mode couteau, hein. Là, voilà, je reviens ici, X face par exemple, ou alors je vais directement relier les faces pour venir faire relier ces éléments-là,
Bah, vous avez un outil qui est simple, hein, qui suffit de relier les boucles d'arêtes. Là, voilà. Donc moi, je l'ai sur ma liste des favoris rapides. Autrement, vous allez aller dans arêtes et vous allez relier les boucles d'arêtes et vous créez une ouverture ici qui a la forme. Alors, vous imaginez, par exemple, si vous dessinez la forme, je sais pas moi, d'un visage ou de n'importe quoi d'autre qui soit donc un objet qu'on peut reconnaître, hein, un arbre, enfin peu importe. D'ailleurs, en utilisant une application qui s'appelle Inkscape, vous pouvez très bien créer des formes et venir les utiliser comme objet de découpe. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va découper un objet cette fois-ci. On a vu comment on faisait avec un. Bah si je vais continuer là avant de faire autre chose, puisque vous avez deux outils de découpe, ici vous avez aussi bisecter. Bisecter, alors je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà, CTRL Z, 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 je reviens en arrière. D'ailleurs, j'aurais pu venir en arrière en allant ici dans l'historique. Hein, voilà. Si je reviens dans l'historique ici, ajouter un cercle, bah tiens. Donc là, vous avez l'historique pour revenir en arrière. Donc je peux revenir à mon. Je pourrais revenir éventuellement à mon cube terminé, mode sélection, sélectionner par cercle, redimensionner. Là, je vais dire, ouais, ben voilà. A, F, extrude, A. Et donc bon, peu importe, j'aurais pu choisir un meilleur moment, mais. Voilà, c'est juste pour vous faire voir, dissolution limitée. Voilà, je reviens, j'ai mon cube. Je vais y redonner un axe central. Définir géométrie vers voilà, origine vers géométrie. Shift S, sélection vers curseur, etc. Voilà. Donc, je passe en mode edit et on va utiliser donc l'outil découpe bisecté qu'on a vu là, hein. Voilà, je viens de vous faire voir. Vous sélectionnez bisecté. Et vous allez faire comme si vous aviez un stylo dans les mains et que vous allez tracer un trait. Vous appuyez un clic gauche en continu n'importe où dans la scène, enfin à proximité du cube, et vous tirez un trait en bougeant votre. Donc j'appuie à gauche en continu sur ma souris et je trace un trait, je bouge ma souris, je trace un trait, je lâche, et là vous voyez que j'ai créé une découpe. Si je fais V, un clic gauche, eh bien, j'ai découpé, je sélectionne par exemple cette arête, CTRL L, eh bien, j'ai bien découpé mon objet G, Z, vous voyez, en bougeant sur X, Z, un clic droit, CTRL Z, je reviens en arrière, je vais refaire cette démonstration, vue 1, ici, j'appuie en continu, et je trace comme un trait, ici par exemple, voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de modifier ce que vous venez de faire. Regardez, si je fais effacer, vous avez la possibilité donc d'effacer des éléments, soit l'élément qui est à droite, soit l'élément qui est à gauche, ou soit l'élément qui est au-dessus, etc. Si je fais ça, eh bien, j'ai une ouverture. Si je fais remplir, c'est fermé. Voilà. Et là, remplir, vous voyez que c'est fermé. Alors, bon, ça fait à mon sens, hein, partie des éléments de Blender qui servent pas énormément, d'ailleurs quasiment jamais, mais bon, voilà, c'est des outils, hein, il faut les connaître, c'est bien de les connaître. Maintenant, je pense qu'on a tendance à alourdir Blender de manière importante et des fois pour pas grand-chose. Bon, c'est mon idée, ça ne regarde que moi. Donc, on peut également, vous voyez, déplacer les éléments. En utilisant cette. Donc là, je déplace le curseur. La rotation, hein, je pense, oui, normal. Là. Oui. Autrement dit, je peux régler ça. Hein. Avec le système métrique, je peux régler ça. Hein. Puis là, je vais faire V. Elle est déjà découpée, CTRL L. Ah non, elle n'est pas découpée. Hop, je reprends, je sélectionne l'arête, V. Ah, elle ne veut rien savoir. Pour quelle raison? Je suis bien dans le mode arête.
Car là, il ne veut pas découper. C'est bien bizarre, mais bon. Comme quoi, on en va. Alors, ça peut être un. C'est bizarre, mais ça peut être un bug. Ou alors, le fait que je ne sois plus. Je sois toujours dans le mode cut. Là, si je sélectionne tout, CTRL L. Alt L, Alt, un clic droit. V, et bien là, je vais rien savoir. V. Un par un, ça marche par contre. Ouais, ben voilà. Bon, normalement, quand je rajoute une arête, hein, donc là voilà, CTRL L. Ouais, voilà, je les ai découpés. Bon, normalement, quand je rajoute, quand je fais une découpe, en rajoutant par exemple une boucle, hein, CTRL R, un clic gauche, si je fais V, et bien là, normalement, c'est découpé. Vous voyez, c'est découpé là. Donc si je sélectionne cette arête-là, je fais un CTRL L. J'ai cette partie qui s'est bien découpée. Donc pourquoi ça n'a pas bien découpé, j'en sais rien, je ne pourrais pas vous dire, mais des fois il y a des choses qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre. Il y a des fois des petites bizarreries comme ça. Alors, ouais, je ne sais pas. Bon, peu importe. Pas grave. Donc cet outil, donc on a vu bisecter. Hein, bisecter, donc évidemment, qui est un outil intéressant parce que je peux, par exemple, en sélectionnant tout. Donc là, c'est encore une fois, il faut sélectionner. Si je choisis l'outil bisecter, que je vais aller chercher moi dans ma liste, parce que rappelez-vous que je vous ai proposé d'installer ma configuration. Donc moi, je l'ai automatiquement ici. Hein. Voilà, je peux découper tout ça, vous voyez. Alors là, ça a gardé, on a vu une trace noire. En fait, ça a gardé le fait de cacher des surfaces. Hein. Je vais faire V cette fois-ci, voilà. CTRL L. Et voilà, donc ça a sélectionné une certaine partie. Voilà. Je vais revenir en arrière. CTRL Z. Ou je vais même resélectionner un cube parce que là il est beaucoup découpé. Ça ira beaucoup plus vite. Hein. Shift X, je supprime. Puis je vais ajouter un cube. Voilà. Hop, je repars sur un cube. Ça va plus vite. Toujours trouver des solutions les plus rapides possibles. Les moins sont forcément les moins contraignantes. Hein. Donc, on a vu l'outil à découper, cut. On va transpercer les objets. Parce que ici, si j'utilise le couteau, je l'ai fait voir. Ça y est, je suis en train d'un trou de mémoire. Est-ce que j'ai bien fait voir? Oui, j'ai dû le faire voir. Comment découper, oui, je l'ai fait voir, je suis bête. Donc, on a vu ces deux outils-là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme moyen de découpe? Bah, le fait de simplement de rajouter un rayon, ou plusieurs rayons d'ailleurs. Si je fais, je vais revenir ici, voilà, non. Je vais choisir voilà, ce mode où. Je vais rajouter un rayon en faisant un CTRL R, puis je fais tourner la roulette de ma souris, deux clics gauche, et je vais faire V. Hein. Et là, regardez ce qui s'est passé. J'ai bel et bien découper, j'ai voilà, donc l'utiliser la lettre V pour faire des découpes. Maintenant, si je tente de passer, de rajouter une boucle ici, ben vous voyez qu'elle ne passe pas. Elle passe, mais sur un élément, puisque c'est découpé, un clic gauche, n'est-ce pas, V, CTRL L, G, je déplace tout, et là j'ai découpé, voilà ça. Si j'avais voulu découper tout entièrement, je me serais mis en vue 3, je sélectionne tout A, et cette fois-ci, hop là, je sélectionne tout A, et je vais utiliser l'outil bisecter. Et là, même si, voilà, bisecter, même s'il y a eu des découpes, si je fais ça, automatiquement, j'ai bien découpé. Donc pour que ça soit parfaitement droit ici sur la valeur Z, je vais mettre ici Z à 0. Voilà. Voilà. Là, je suis sûr d'avoir un trait droit. Et si je fais V, eh bien, je vais découper, vous voyez, toutes les parties. CTRL L, G. Voilà. Là, j'ai donc bien découpé tout en utilisant. Donc, d'où l'importance de maîtriser correctement ces outils-là. Donc, je rappelle, on vient de voir l'utilisation du couteau.
soit en utilisant à partir de cette icône, soit en l'utilisant en utilisant la lettre K, qui est donc le raccourci clavier, K, le couteau. Je reviens ici, voilà. Ici, vue 1. Voilà, si je clique sur le K, mon couteau vient de se positionner. Et vous voyez, je peux encore découper ici. Barre d'espace pour valider. Mais cette fois-ci, ça n'a pas traversé vue 1. Alors ça, je comprends pas. C'est bizarre, c'est que on ne puisse pas ici projeter sur la surface. Tiens, est-ce que je pouvais faire ça à partir de là? Non. Il faut donc bien utiliser. On n'a pas d'autres possibilités. Je ne vois rien qui soit inscrit. Non, donc voilà. Donc voilà, on peut parfaitement. Alors cette fois-ci, évidemment, là j'ai plusieurs faces. Hein. Il faudrait que je sélectionne toutes ces faces pour faire créer éventuellement une ouverture en faisant X face. Et voilà. Bon, je crois qu'on a vu pratiquement tous les outils de découpe. Je prends un petit temps de réflexion en coupant la vidéo vite fait. Non, j'en ai oublié, on a l'outil projeter aussi. Vous allez voir, on va projeter des éléments sur un cube. Je passe en mode Edit, je sélectionne mon cube, je supprime. Je vais faire Shift-X, supprimer. Je vais rajouter un nouveau cube, voilà. Et ce cube, voilà. On va faire une projection. Alors, je positionne par exemple mon curseur ici. Alors, le curseur, quand je fais un clic gauche en mode objet, il est venu se poser sur la surface. Ici, on le voit, là, vue 1. Voilà. Et je vais aller chercher un vertice. On va faire une découpe avec un vertice. Donc, je vais dans Objet. Puis, ensuite, Ajouter, pardon. Maillage. Et ici, Vertice. Voilà. Un clic gauche. J'ai un vertice qui est venu se positionner là, à l'endroit où se situe le curseur 3D. Et vous voyez, je suis passé en mode Edit. Maintenant, je vais sélectionner le mode vertice. Surtout, ne pas oublier ça, parce que sinon, lorsque vous allez faire extruder votre vertice, il ne se passera rien. Donc là, je fais extrude, regardez. Extrude, 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 extrude. Et je vais sélectionner le premier vertice et je vais cliquer sur J, sur F, pardon, pour fermer. Donc là, vous voyez, j'ai créé une forme. Je vais la sélectionner, sur cette forme-là. Et cette forme-là, je vais m'en servir d'outil de découpe, par exemple. Donc, je vais la déplacer légèrement en faisant un GY pour la décoller de mon cube ici. Voilà. Donc là, on voit que je l'ai décollé de mon cube. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu la laisser dessus. J'ai jamais essayé, mais faut la décoller normalement. Ensuite, je vais sélectionner mon cube. Donc, en mode objet, je sélectionne mon cube. Alors, la forme que je viens de créer, qui s'appelle un vertice, il est là. Hein. Et je passe mon cube que je viens de sélectionner en mode Edit. Je clique sur Tab. Et ensuite, je vais venir appuyer sur Shift et sélectionner à partir de cette fenêtre-là, un clic gauche, le vertice. Je me mets en vue 1. Et je vais utiliser la découpe. Ici, je vais donc dans Maillage. Et vous allez utiliser la projection au couteau. Un clic gauche, je peux cacher maintenant le vertice ici en cliquant sur le petit œil, et vous allez voir que là, la découpe au couteau, elle est là. Et j'aurais pu évidemment couper à travers, ici, là. Cette fois-ci, j'aurais dû le faire avant. Je reviens donc en arrière. Je vais recommencer ma découpe au couteau. Vue 1, donc il faut se mettre dans une vue axée. Hein. Shift, je clique sur ici. Le vertice, puis ici je vais faire extrude. Ah non, où est mon vertice? Ah oui, je l'ai caché, je suis bête. Allez, je recommence ici, je passe en mode edit avec mon cube. Si je le cache, je ne serai pas de le voir. Ah, je sélectionne tout. Je sélectionne ensuite le vertice, puis ici je vais aller dans projection au couteau. Ici je vais passer à travers,
Il ne faut pas oublier de le sélectionner. Et là, vous voyez que c'est bien passé à travers. Ce qui fait que maintenant, si je cache le vertice, donc la forme que j'ai créée, et que je vais donc dans mon menu relier les boucles, je vous rappelle que vous pouvez aller dans Arrête, relier les boucles ici. Eh bien, ici, j'ai créé. Alors là, bizarrement, oui, bon. Là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je reviens en arrière, CTRL Z. Ah oui, il y a des arêtes, pourquoi? Donc là, il aurait fallu qu'il n'y en ait pas. X, dissoudre les arêtes. Pourquoi il y a eu ça? Je vais revenir carrément en arrière pour venir comprendre ce qui s'est passé. Relier les boucles. Là, il doit y avoir des doublons. Je vais recommencer. Ah, donc j'ai tout sélectionné. Je vais regarder si j'ai pas des doublons qui traînent. Et oui, voilà, 8 vertices. Je vais rappeler ma forme en vertice, là, ici, voilà. Ensuite, je viens sélectionner mon cube. Puis, je viens ici sélectionner vertice, vue 1. Voilà, je vais recommencer. Voilà, je vais traverser en utilisant ici la découpe couteau, projeter. Normal à passer à travers. Donc c'est bien passé à travers. Maintenant je peux cacher ici le vertice, en fait la forme vertice. Et je vais utiliser relier les boucles et j'ai bel et bien voilà, creusé. Voilà, des fois il ne faut pas grand chose. Hein. J'ai donc malencontreusement créé des doublons. À chaque fois vous avez des choses comme ça qui sont un peu bizarres. Hein. Que ça fonctionne pas comme vous voulez que ça fonctionne, commencez par là, chercher donc dans les doublons et surtout aussi chercher, je l'ai dit de nombreuses fois, mais dans l'orientation des faces, vous allez ici donc pouvoir cocher orientation des faces, et si tout n'est pas de la bonne couleur, tout de la même couleur, c'est qu'il y a un problème. En règle générale, j'utilise des faces bleues comme les faces externes. Donc là, moi, dans cette configuration-là, je ferai un Shift N. En sélectionnant tout, pardon, Shift N, voilà, pour avoir les faces extérieures bleues. Bon, voilà. Voilà, maintenant, c'est une question de choix. Soit les faces extérieures, c'est des faces rouges pour vous, soit ce sont des faces bleues. C'est vous de choisir. Voilà. Ok, je désélectionne. Voilà. Voilà, donc on a vu tout. Je fais une petite récap. On a vu donc ici les outils à découper, couteau, bisecter. On a vu donc l'utilisation des boucles, lorsque je coupe des boucles d'arêtes, lorsque je rajoute des boucles comme ceci, avec donc la possibilité de découper ces boucles en utilisant la lettre V qui découpe. Et donc on vient de voir l'outil de projection au couteau. Donc vous pouvez projeter tout ce que vous voulez, hein, toutes les formes que vous voulez. Moi, je me suis très souvent amusé à utiliser Inkscape, qui est une application qui permet, je vais vous l'ouvrir, cette application qui permet à partir des images, une simple image, de créer donc des vertices, en fait, de créer des formes avec des vertices. Et ces formes-là, on peut s'en servir pour faire des découpes sur des objets avec Blender. Mais bon, j'ai déjà fait cette démonstration. Il suffit de regarder Inkscape dans Blender et vous pourrez découvrir des choses intéressantes. Mais si vous êtes débutant, attendez un petit peu quand même. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère pour vous, vous avez bien fait un cube avec le cercle, que vous avez donc des explications pour découper des objets. Donc je vous invite évidemment à vous amuser à découper dans tous les sens avec tous les outils. De faire des découpes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai fait voir, mais dans bisecter, ici, si je fais ça, hein, si j'ai dû le faire voir, hein, vous pouvez effacer les éléments externes, remplir, non, donc là, V, pardon, oui, V, là, V, et puis donc on peut utiliser ici, là, il y a trop de découpes, donc ça ne fonctionne plus. Mais si je fais un CTRL L, normalement, j'ai ça bien tout découpé. Voilà. Ça devient un peu trop compliqué d'effacer. Vous voyez, ça ne fonctionne plus. J'essaye, mais non. Voilà.
donc pour ces outils de découpe. Merci à tous de suivre SVM6 et puis donc eh bien je vous invite à regarder le prochain tuto. Encore une fois, je vais vous parler évidemment des outils, parce que des outils qui sont incontournables, vous ne pouvez pas passer à travers. Donc que vous vouliez ou non, si vous ne regardez pas ces vidéos, c'est pas, eh bien vous allez vous priver de beaucoup d'éléments qui sont susceptibles de vous aider pour modéliser rapidement des objets. Voilà, merci à tous et bon courage.